le coude. Hein. Ah. On a l'impact. Bon, mais d'abord, vous avez bloqué un coup de pied circulaire. Donc, c'est vraiment l'idée du bouclier. D'accord ? Celui-là, il bloque le tibia. D'accord ? Et celui-là, il bloque le coude. Genou. Voilà. Genou. Bon. Et là, ça arrive derrière. Les jambes. Gauche. Regardez, vous avez compris ça, hein? Maintenant, il faut vous rajouter ça. Hein? La capacité à vous aider. Attention. Avec votre bras, j'ai compris. Excusez-moi. Merci. Vous travaillez dans l'allongement des membres supérieurs et même inférieurs. Voyez, c'est-à-dire qu'on se permet ça. Et ça. Voilà. Donc, pour aller plus chez lui, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici. Le mouvement de bras, il est relativement simple. Vous voyez, il y a ça, main en plateau, main en paume-feu. Paume-ciel, paume-feu. C'est pas trop ciel. Si c'est une attaque au couteau, au début, c'est la même action. Hein, on est passé derrière. On redirait pas. Hein, voilà. On se replace. Vous comprenez, hein? S'il a deux couteaux dans les mains, voilà. Premier couteau ici, d'accord. Il va envoyer le deuxième, d'accord. Okay. Son couteau ici, dans la main. Il passe ici, il revient avec ce couteau-là. Non, là, c'est dangereux pour moi. Voilà, et là, finalement, on va désarmer. La séquence, là, ici, vous allez avancer le pied gauche et le pied droit. Ça va? Pendant ça. Et là, vous avancez encore le pied gauche. Marchez comme pour aller là-bas, vous voyez ce que je veux dire? Et vous en profitez pour tirer ici. Voilà. Et vous tirez et vous repartez dans l'autre sens. Ça va? Donc, 1, 2, 3, 4, je pars. Ça, c'est comme un guide. D'accord? Ça ressort derrière. Un guide. Voilà. Séparation. Séparer la crinière du cheval sauvage. Voilà. Toujours l'idée d'esquive. Toujours l'idée d'esquive. J'explosion du bras. Tu peux aller chercher un boîtier métallique. Piquer. Non, c'est pas l'idée derrière. Contrôler. Voilà. Le spirale en bas.